s'est connu à l'école, en colonie ou au sport. On s'est jaugé, on s'est parlé, ces petits débuts qui valent de l'or. La vie a fait qu'on s'est revus, l'envie a fait qu'on est resté ensemble autant qu'on a pu, sentant que ça allait nous booster. On a su dès nos débuts qu'il y avait quelque chose de spécial. Mais Lascar m'ont convaincu que leur présence m'était cruciale. Alors on se souffle dans le dos pour se porter les uns les autres. On s'est compris sans même s'entendre chaque fois qu'on a commis des fautes. Et puis c'est en équipe qu'on a traversé les hivers et les étés ensoleillés, les barres de rire et les galères. Ils sont devenus indispensables comme chaque histoire a ses héros. Ils sont devenus mes frangins, mes copains, mes frérots. On forme un bloc où l'intégrité se pratique pas à moitié. Et je reste entier aussi parce qu'ils m'ont jamais diminué. Au cœur de cette cité, ils m'ont bien ouvert les yeux pour éviter les pièges jaloux, des jaloux envieux de notre jeu. J'aurai jamais assez de salive pour raconter tous nos souvenirs. Ils ont squatté dans mon passé et seront acteurs de mon avenir. On a tellement d'histoires ensemble que j'ai l'impression d'avoir 100 ans. Nous on se kiffe et ça s'entend, on fait du bruit et pour longtemps. On se dépense beaucoup, même avec Wellou dans les poches. L'adversité, on la connaît, on en a fait un parent proche. J'ai tellement squatté leur caisse qu'on croyait que j'y habitais. C'était notre coffre-fort où toutes nos idées s'abritaient. Avec eux j'ai moins de failles. Avec eux je me sens de taille. Avec eux rien que ça taille. Ça tient chaud quand ils caillent. Avec eux j'ai moins de failles. Avec eux je me sens de taille. Bien posé sur les rails. On a la dalle et on graille. Avec eux on a écrit quelques belles pages de notre histoire. Et je vous assure que c'est pas fini. Suffit de nous voir pour le croire. À vouloir faire des trucs ensemble, en fait ce qu'on a le mieux réussi, c'est de fabriquer une amitié. Pote à perpète et sans sursis. Avec eux on cherche tout le temps, on est toujours aux 400 coups. Mais les meilleurs moments, c'est quand même quand on fait rien du tout. Capable de rester 4 jours à la terrasse d'un café. On se nourrit de ces instants parfaits pour nous glander, c'est taffé. Je crois que c'est avec eux que j'ai passé le plus de soirées. Certaines bien réussies, mais la plupart un peu foirées. Pas la bonne tête, pas les bonnes sapes, ou pas assez accompagné. Mais rentrer en boîte pour nous, c'est clair que c'était jamais gagné. Entassé dans une voiture avec la musique qui sort des fenêtres, à la recherche dans tout Paris d'un pauvre endroit qui nous accepte. Ça finissait à 3h à Montmartre, avec les crêpes à emporter, les doigts congelés et l'huile qui